Eh ben ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti celui-là. Salut les gens, c'est First, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur la Assassin's Creed Experience comme vous l'aurez deviné. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente de celle d'habitude. Ça va être une vidéo vachement nostalgique. Je ne vais pas du tout vous parler durant cette vidéo si ce n'est maintenant et à la fin de la vidéo pour l'outro. Et entre temps vous allez avoir droit à des séquences vachement émouvantes. Enfin tout du moins c'est ce que j'ai pensé. Je vous ai coupé ici les 8 morts qui pour moi sont les plus tristes et les plus marquantes de la licence Assassin's Creed. Allant du 1 jusqu'au dernier en date Assassin's Creed Valhalla. Bien entendu pour cette vidéo je ne vous ai pas mis un extrait de chaque jeu, étant donné que j'ai sélectionné ceux qui pour moi étaient les plus marquants. En tout cas, petit disclaimer avant de vous balancer l'intro, faites attention si vous n'avez pas fait tous les jeux, il y a des séquences qui spoilent à l'intérieur de cette vidéo, mais si vous êtes des fans de la licence de longue date ou même récemment mais que vous avez fait tous les jeux, alors dans ce cas, aucun souci, plongez-vous dans cette vidéo et laissez la nostalgie reprendre le dessus. Tu as mérité le repos, mon frère. Requiescat in pace. Mes frères, mes sœurs, la ville se dresse contre nous, alors que le meurtrier de Youssouf nous nargue depuis l'arsenal. Combattez avec moi et montrez-lui ce qu'il en coûte d'affronter les assassins. Dis que j'ai caché la pomme loin d'ici. Dis que je l'ai envoyé à Chypre ou à Sipango ou que je l'ai jeté à la mer. Fais en sorte qu'il ne vienne pas ici. Personne ne doit trouver cette pomme. Le moment n'est pas encore venu. Je doute que Firenze soit le problème. Prego. Coraggio, vecchio. Mais repose-toi. Lorsque j'étais jeune, j'étais libre, sans en être conscient. J'avais l'avenir devant moi, sans le savoir. Et j'étais aimé, sans m'en rendre compte. Viens avec nous, on trouvera un autre moyen. On n'a pas le temps.
Fils. Tu sais que j'ai raison. Ça a déjà commencé. Je dois le faire maintenant. Partez! Allez! Kemu, non, viens. Parle. Non, je ne sais rien. Nous devons partir. Je vais arracher le cœur de ce non, garçon. Attends. Il ne connaîtra jamais l'autre monde. Non, je vais parler. Il veut gagner du temps. Qu'est-ce que c'est? Arrête. C'est de la folie. Le serpent considère que c'est ta réponse. Ah, non ! Kemu ! Kemu ! Kemu ! Silence ! Christina, tiens bon ! Je t'emmène chez un médecin. Surtout, ne t'inquiète pas. Non, Ezio. Il est déjà trop tard. Non! Tiens bon. Reste avec moi, Christina. Ezio, rappelle-toi, nous serons toujours ensemble. J'aurais tant voulu nous donner une seconde chance. Requiescat in pace, mon amour. J'espère que j'aurai réussi à vous décrocher ne serait-ce qu'une petite larme ou des petits frissons en regardant cette vidéo. Moi, je vous avoue qu'en faisant les recherches et en voyant certaines séquences, j'avais des frissons qui me parcouraient un petit peu partout. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et surtout n'oubliez pas de nous dire quelle séquence vous aurez mis ou alors la mort qui vous a le plus marqué de toute la licence Assassin's Creed. On se fera un plaisir de lire tout ça avec le reste de l'équipe. C'était First pour la AS Experience en direct de vos écrans. Et... bah, paix et sérénité, c'est plus ciao tout le monde.